Et bien salut tout le monde, c'est Mister Jour, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode sur Uncharted 4, pardon je m'emballe. Donc le chapitre numéro 22, la fin d'un voleur. Alors je suppose qu'après ça Nathan va sûrement arrêter, hein, je pense. Donc n'oubliez pas que Sam, je fais un petit résumé, Sam est entré dans le bateau. On l'a vu partir avec le bateau, là il a volé un bateau et il est parti. Et voilà, on a vu la petite cinématique donc de Nadine et de Rafe. Nadine qui voulait rester plus prudente et se contenter de ce qu'elle avait, alors que Rafe voulait absolument tout piller, hein, vraiment tout finir. Nous on veut juste aller chercher notre frérot. De toute façon je suis sûr qu'on va peut-être choper une ou deux petites piécettes, hein. Je sais pas ce qu'on prend d'ailleurs. C'est mes mots, j'y vais à la nage. Bon, c'est vrai que l'eau est bonne mais... Ah, regardez-moi. Tellement beau. J'admire. Oula. J'étais pas prêt. Mentalement. Ok. Oh, c'est tellement beau. Pas très bien. Je ne pensais pas que t'allais grimper comme ça, maintenant. Pourquoi pas? Voilà. Alors, je voulais grimper par là, à la base, mais en fait on va grimper par ici. On passera par là, non? Ok. Donc nous sommes... C'est du bateau, hein? C'est du bateau, on est d'or et tout. Oh, c'est trop bien fait les petites flamettes. Hop, hop, hop. Y'a quelqu'un? Non? Ouais. Ouais. Il a très mal fini. Il a très mal fini. J'ai où? On va monter. On va tenter de monter. Ouais, c'est bon. On va monter. Ah, le pont. Wow. En cale? Non, faut pas aller en cale. Oula! Ok, toute cette fumée. Oh mon dieu. C'est très beau, hein. Ah! J'ai pas vu le petit trou. Wow. Regarde-moi ça. Voilà ton trésor. J'y crois pas. Il était pas prêt. Ça valait le coup. Oh là là. Abuser tout ce qu'il y a. Et je suis sûr que c'est pas tout le trésor. Oh shit. Sam! Sam! Salut Nate. Où est Sam? Oh, il est juste là. Sam? T'inquiète pas, il est pas mort. Ce crétin a bien failli tous nous tuer. Je vais le sortir de là. Non, pas question. Tu pourras repartir avec le trésor, mais laisse-moi sortir mon frère de là. Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles. C'est noble de ta part, mais non. Si on sort pas tout de suite, on va tous y rester. C'est ça que tu veux? C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, Nadine? Ravi de vous voir sur pied. Soyez gentil et soulagez Nate de son arme. Donne-moi ça. Tu crois que tu peux lui faire confiance? Hein? Te mêle pas de ça. Et qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate? Nadine et moi, on est partenaires. Et moi, j'en tue pas mes partenaires. Pousse-toi de là. Par contre, ton frère et toi, dès le début, vous avez tiré profit de ma générosité. Vous avez essayé de m'évincer, et il est grand temps que je vous donne une... Qu'est-ce que vous faites? Vous allez me donner votre arme. Nadine,
Ne me forcez pas à le répéter. Vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur. Regardez-la. Nadine, ça suffit. Putain ! J'ai dit regardez ! Ça va, ça va. Ce que je vois, c'est deux squelettes. Et alors ? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général. Mais je devine assez facilement de qui il s'agit. Eh bien, éclairez-nous. C'est Avery et Tew. Ils se sont entretués. Tant mieux pour eux. Quelle importance. Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor récoltent ce qu'ils méritent. Et alors, tu vas nous laisser crever ici ? Je vais juste vous laisser. Que vous croviez ou non, j'en ai rien à foutre. Nadine ! Attendez ! Adieu, Raif. Nadine ! Nadine ! Ouvrez-moi cette putain de porte tout de suite ! Raif ! Elle est partie ! File-moi un coup de main qu'on sorte tous d'ici ! Non. Non, ça peut pas finir comme ça. Aide-moi à libérer ça, mais je t'aide à ouvrir la porte. Non, non, j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces. Aussi longtemps que ton vaurien frère et toi, vous serez pas 6 pieds sous terre. Ok, écoute. Calme-toi. Si tu veux, on pourra jouer aux pirates quand on sera dehors. Nate, okay, ferme-la. C'est de la triche. C'est de la folie, même pour toi. Tu veux de la folie? Nathan Drake a fait la course contre une espèce de taré et tout son armée. Attendez, je suis pas prêt. Ok, de gauche. Nathan Drake a trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Rubacan. Olé. Là, on est mauvais. On peut s'en sortir tous les deux. Nathan Drake fait la découverte du légendaire Eldorado. Hush, hush. Oh, ça va. C'est pas trop dur. Tu sais, l'homme qui m'a dit ça. Je peux pas donner de coup de poing pour ceux qui se demandent. Allez, allez, c'est bon, j'ai compris que tu m'avais pas. Mais tu... Eh ben, tu vois, Nate, malgré toute cette grande... Gauche, droite. Tu n'es rien. Et je t'avais pourtant prévu de ne surtout pas croiser ma route. Olé. Oh, le coup de boule. Ils m'ont retrouvé, Avery. Je vais pas laisser deux petits voleurs à la manque. Un arnaqueur déclaré. Et je vais aller sur retour me prendre ce qu'il y a. Ça suffit. Oulé. Oh, c'est beau. C'est très beau. Tiens, tellement à ta petite bande de losers que je vais faire en sorte qu'ils me rejoignent. Regarde, j'ai fait 25 ans d'escrime. J'attaque. J'attaque le premier. Allez. Ok. Ok. Bim, bim. 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 Oula. Oula. Aïe, aïe. Pas de temps. Ok. Aïe. Ok. Oh, j'ai eu un coup de chance. J'avais appuyé sur carré. Hush! Hush! Hop! Ok. Good, good, good! Bim! Ok, on va se calmer. Hup. Hop! J'ai fait 25 ans d'escrime, je te dis! Yes! Aïe! Je fais vraiment ça pour la première fois, les amis. Je dois avoir des réflexes, mais je sais pas. Je n'ai un talent naturel. Allez! Pousse! Ok, je me calme. Push! Ah, j'ai du mal. Non! Ah, j'avoue, j'ai pris cher. Dégage! Va-t'en! Ah, c'est pas facile! C'est de plus en plus rapide. Push! Calme-toi, je veux juste sortir d'ici. Non! Push.
C'est de la triche. T'es pas prêt. Ok. Ah, celle-là j'ai du mal à la parer. Hein, la... Ah non. Oh non. Non, vous ne mourrez pas maintenant. Alors là, que dalle. Ok. Fais pas t'en fier. Fais pas t'en fier parce que je vais t'arracher 2 secondes après. Ok. Jusqu'où ça va mener le checkpoint? J'ai peur. Mais attendez. Oh purée, non mais il faut ça quand je suis pas prêt quoi. C'est bon, je ne perdrai plus. Dégage. Allez. Non. Oh. Oh. Oh, je m'étonne moi-même de mon réflexe surhumain. Ok. Bim. Bim. Ok. Bim. Voilà. Oui. Oh. Ah. 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 Non. Non, je suis... Lâche-moi. Attendez, je régène. Je laisse mon régène. Allez. Okay. Ah ouais. Ah non. Non, 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 non. Pas le droit. Oh purée. C'est pas facile les amis. Vraiment. J'ai appuyé. Tiche. Ok. Ah, faut appuyer. Voilà enfin le Nathan Drake dont on parle tant. Ok, je m'en rends. On reste là. Je prends mon frère et on s'en va là. Si tu veux rester brûlé ici, te gêne pas. T'as gagné. Je vais te dire, mec. Sous tes airs de sale primeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux. Qui aspire, en fait, à la grandeur. Et qui manie l'épée comme un pied. Adieu, Nathan Drake. Nathan ! Ah. Ah. Tu sais vraiment pas t'arrêter, c'est fou. Non mais attendez, je suis à terre. Toujours tout en vie. C'est de la triche. Saloperie de plateau d'argent. Je vais se faire écraser. Hus. Je ne ferai plus voir. Oups. Oh, Rafe. Il est juste au-dessus. Alors quoi. Prends-le. J'aimerais pas voir c'est ce qu'il y a en dessous. Vrai. Allez, viens, on va te sortir de là. J'y arrive pas. C'est trop lourd. Essaye encore. Ça sert à rien. J'y arrive pas. Allez. Attends. Fais chier. Écoute-moi. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était trouver ce trésor avec toi. Ça, on l'a trouvé, pas ça. On l'a trouvé, petit frère. Tout va bien. Il doit bien y avoir un autre moyen. Tu dois me laisser. Il y a forcément quelque chose. Tu dois me laisser. C'est obligé. Il n'y a plus rien à faire. Nathan, j'ai besoin d'être sûr que tu en es sorti. Il faut que tu sortes avant que tout explose. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fous? Fais-moi confiance. Tu me fais chier. Essaie de te protéger. Vas-y, pousse-la. Un sale petit. Il était à bonne école.
on va jouer. Ok. Wow, regardez-moi ça, c'est tellement stylish. Ça passe. Pas à dire, Naughty Dog on fait vraiment très très fort là, pour ce coup là. Bon, t'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Surtout, te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de t'aider, t'as compris ? Juré. Je te remercie. Et gaffe à toi, petit. Et on reste en contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Hey, qu'est-ce que tu lui racontes, là? Alors comme ça, tu voulais être magicien? Je te déteste. C'était quoi ton nom de scène? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Oui, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes. Elena non, et moi, mais on non, en t'inquiète, parlé. C'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça, mais... Je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti... satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... vide total. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final, on ressent toujours la même chose. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et ce à quoi on renonce. Bah... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. J'en ai quand même laissé quelques. C'est trop gentil. Ah, tiens, c'est notre taxi. Bien. Sam, on revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok? Pff, allez, barre-toi, brigand. Du feu? Ouais.
Alors, Victor, qu'est-ce que t'as prévu, Ouais, avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte, Dangereuse? Oh, vu mes partenaires, oui. On peut dire ça. Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh là, je sais pas. Il est digne de confiance? Plus ou moins. Il parle portugais? Quando o seu marido voltar para casa? Et ça veut dire quoi? Dans combien de temps y rentre ton mari? Ça ira. Allez. Il te resterait pas un de ces cigares? Pousse pas trop le bouchon. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Très très bien. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as décroché un gros contrat? Oh, bien mieux que ça. Je suis sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Eh si. Waouh! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié. Mais finalement, on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester? Non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille. Et que je me laisse aller au plus dur. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout te racheter? Non, bah c'est toi. Quoi? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas, là? Salut! Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que t'es venu faire, là? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais... Parfait. C'est vrai, tout ça? Nate, ne perds pas de vue que ce sera un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. Tu m'appelles après? Je le ferai. Salut. Salut. Tu vas acheter Jameson Marine? On va acheter Jameson Marine. Oh. Ok. Comment? Et pourquoi? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie, et je me suis dit que c'était pile dans nos cordes. Non, chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal? Regarde. C'était au courrier ce matin. Elle est en règle? Ouais. Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations malais. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui que ce soit. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Tiens. Donne-moi la main. Quoi? Allez, donne-moi la main. Allez. Ça alors, ouais. Où est-ce que tu l'as trouvée? Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée? Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat. Ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre? Ouais. Comme on est parti pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire.
C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que toutes ces aventures qu'on a vécues, tout ça me manque, Nate. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, ok? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages, avec bien sûr mon matériel dernier cri. Waouh. T'as bien réfléchi à tout ça, on dirait. Oui, plus ou moins. Mais tu sais, t'as qu'un mot à dire et j'annule tout avec Jameson. Quoi? Non, 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 non. Moi, je veux pas être le salaud qui va tuer dans l'œuf le rêve de Jameson. Ce serait cruel. C'est vrai, oui. Ça va pas être facile. Comme tout ce qui en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan Drake? Je dis lançons-nous. Mm. Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. J'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupé avec mes tournages. Et moi, je serais bien trop occupé à plonger. Bon, d'accord. On le fera chacun notre tour, alors. Ok. Ou alors, on pourrait le jouer à qui tout double? À mon jeu? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Non. Si, et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Je te jure. Tu veux vraiment que je t'en mette la pâtée? T'as peur de perdre ou quoi? Contre toi, sur non. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point je te fais peur? Ben, je dirais 3. Ouais, arrête, sois honnête et dis plutôt que t'es à 11. Mais t'inquiète, 11. Je vais te faire ta fête. Tu crois ça? Ouais. Et voilà, c'est reparti. Ok. Ok, tu l'auras voulu. Ok, d'accord. On rejoue à Crash Bandicoot. Je m'attendais pas à ce qu'on joue à Crash Bandicoot depuis. Ni que qui rachète Jameson Marine. Il a finalement changé d'avis. Alors, ouf, ouais, non, mais c'est vrai que j'avais pas été bon, il me semble, la dernière fois, donc j'ose pas d'être meilleur. Allez. Voilà, très bien. Crash n'a pas voulu sauter. Oh non, ça prend du debout, il faut arrêter. Il fallait des réflexes surhumains avant. Sur le jeu d'avant. En plus, je recommence depuis là, début. Cool. Je regardais. Mais. Vous moquez pas les amis. Honnêtement, j'ai la flemme de jouer à Crash Bandicoot là tout de suite. Ouais, je vais tenter de faire ça sérieusement. Ah non! Lol. Dernière vie. Allez, on fait ça sérieusement. Je dis ça, mais à chaque fois je crève. Hop. Il y en a combien? Non! Mais genre Crash qui... Ouais, ça va se faire. C'est nul ce jeu. Ok. Qu'est-ce qu'ils font ?
Épilogue. Ok, nous jouons une jeune fille. Nous jouons une jeune fille. Super. Ok. Excellent. Petite faut bébé dans la chambre. Ça. Ouais, par contre, c'est le bazar. Non, jeune fille, va falloir. Mais je veux pas aller sur lui. On va pas s'attarder là. Purée, c'est plus que le bazar. Ça, c'est collector. C'est collector. Crash Bandicoot. Purée, non mais. Oh, le miroir! Il est tellement bien fait. Oui, on visite la maison un petit peu, mais je suppose maman, que c'est la fille des. Papa! Y a quelqu'un? Des. De grand. Des. De Nathan et de. Sa femme. Scuba, il y a un chat, un caméra fishing, ok. Encore du toilette. Y a pas un truc intéressant à voir. Oui, dans les toilettes. Fait. Ça fera l'affaire. Ok. Bon, j'ai une petite pominette. Oh, trop cool. Sam et Sully vont venir nous voir. Je suis Yakuba. Ok. 12 mois sans fumer. Sam, 12 mois sans fumer. GG. Ok. Embrasse les filles, dit Cassie, de faire chauffer le plateau de Bagaman. Je veux ma revanche. Cassie. Victor. C'est Victor qui a écrit ça. Ok. Cassie, est-ce que ça serait pas cette jeune fille par hasard? Mais mon talent de déduction a encore frappé. Pas du tout. Ah, mais nous sommes sur une plage. On va aller voir. On va aller voir dehors. Hé hey. C'est ça, va. Va, petit chien. Va à l'aventure. Taj Mahal, j'ai vraiment hâte. Décollage dans quelques semaines. Bon, Taj Mahal. C'est pas. Magnifique journée. Il nous reste plus qu'à retrouver le reste de l'équipage. Ok. Ils ont une... J'ai l'impression qu'ils ont une maison et ils ont leur propre île, quoi. Oh, c'est abusé. Attendez. Je me suis coincé tout seul. Sorry. Ok, je ne peux rien faire avec Bagaman ici. Il y a une autre petite maisonnette là-bas. Je sais pas où est passé mon chien d'ailleurs. On va aller voir dans la maison. On va aller voir dans la maison aussi. Non, ils ne sont pas là non plus. Ok, alors je crois que je vais les attendre. Oh. Voilà qui réduit déjà pas mal la zone de recherche. Très bien. Je n'ai absolument rien compris de la carte, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Attendez, attendez, il y a un truc là, il y a une armoire, mais est-ce qu'on peut pas visiter des matériels de plongée, ok? Oula, celui t'as pris un coup de vieux. Hein. Sacré coup de vieux. Nicolas Lentz, journaliste et Elena Fischer. Okay. Petit diplôme d'Elena. Pas. Hop, on va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas. Pas une clé. Si c'est fermé, c'est pour une raison, jeune fille.
Mais si tu veux vraiment qu'on cherche la clé, on peut la chercher. C'est vraiment débile. Tu veux me dire? Il a laissé ses clés. Attends, il a laissé ses clés. Oh, victoire! Les clés! C'était trop facile. Tout simplement. J'en étais sûre. Qu'est-ce que c'est que ça? Croix de Saint-Dismas. Petit souvenir. Ok. Ensuite. Un doublon espagnol. D'où il sort? Pas mal, pas mal. Je suis sûr que ça retrace un petit peu toutes les aventures. Pièce de pirate? On dirait que c'est le sceau d'Avry. Mais ce serait pas le sceau d'Avry? Petite pièce du sceau d'Avry. Excellent. Est-ce que c'est le trou? Une balle. Oui, c'est le trou d'une balle. C'est le passage de le carnet de croquis de Nathan. 16e siècle. D'où ça sort? Ça, il me semble que c'est dans le Uncharted 3. Si je ne me trompe pas. Ça donne la chair de poule. Mais c'est cool. Mais ça, je me souviens plus du tout le crâne. Comme ça. Salut. Evelyne a acheté auprès d'un collectionneur. Ouais, non, mais ça va. Quoique, attendez. Voilà, lisez si vous voulez lire. Feuilletez. Je mets. Oh. Henri Avry. Le casse du Gunsway. Attends, vous êtes parti à la recherche du trésor d'Avry? Bien sûr, tout à fait. C'est pas vrai. C'est papa? Eh ouais. Petite photo dans le pain. Sic parvis magna. La grandeur des petits débuts. Je trouvais ça dans mes appareils photo, j'ai pensé que tu aimerais voir ça. Hi. C'est quoi ce délire? Oh merde. Merde. Ah bah te voilà. Coucou. Tu te cachais où? Qu'est-ce que tu faisais là? Bah, je vous cherchais. On a fini de charger le bateau. Tu viens? Cool. Partez devant, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi? Il faut juste que je... Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Vous fâchez pas. Allez, quoi, tu vas pas te fâcher? Les clés. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Rien d'intéressant. À part cette vieille photo de vous deux et Sully. Avec un trésor sûrement espagnol. Et un fusil à pompe. Ouais.
fallait bien que ça arrive un jour. Peut-être qu'on devrait lui en parler. Non, elle n'est pas encore prête. Prête pour quoi? Toutes ces conneries dans votre placard? Mais pas de gros mots. Oui, pas de gros mots. Désolée. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard, ou du moins, on aurait dit une sorte de crâne en argent. Bon, en fait, je crois que c'est moi qui suis pas prêt. Vraiment. Nate, il faut qu'on lui explique. Oui, c'est le moment idéal. Mais qu'est-ce que vous devez m'expliquer exactement? Elle est trop jeune. Elle est plus vieille que Sam et toi quand vous avez commencé. Non, ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Bon, écoutez, si vous trempez dans des magouilles douteuses, ça m'est complètement égal. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas? T'es gonflé, toi. T'as plus peur des squelettes? Ah, très drôle. Maman? Très bien. Alors, comment t'expliquer? Pour moi, tout a commencé quand ce type m'a appelé pour m'informer en exclusivité d'une découverte historique majeure. Au début, j'ai pensé que c'était un arnaqueur. Oui, mais beau gosse, l'arnaqueur. Peut-être, mais je l'avais encore jamais vu. Oui, il savait. Il savait. Donc cet arnaqueur, il m'a dit, financez cette expédition, et je vous donne le cercueil de Sir Francis Drake. Et pour information, j'ai bien tenu ma parole. Tu parles. Tu nous as abandonnés aux mains des pirates indonésiens. Oh, t'exagères. J'avais rien à voir okay, avec ça. Ok, attendez. Temps mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez été attaqué par des pirates après avoir découvert le cercueil de Sir Francis Drake. C'est ça? Oui, c'est à peu oui, près c'est ça. Bien ça. Ouais. Putain de merde. Non, pas de gros mots. Punaise. C'est mieux. Bon, allez-y, continuez. Vous savez quoi? Le soleil brise. Vous voulez continuer à en parler? Alors on va le faire sur l'eau. Vous venez? Mais attends, de quoi il avait l'air, Francis Drake? Décomposé? Il n'était pas dans le cercueil. En fait, il y avait que son journal et une carte de l'Eldorado. La fameuse cité d'or? C'est la légende, mais en fait, c'était qu'une statue. Une statue maudite. C'est pas vrai, tu rigoles? Non, non, je t'assure. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà les amis, cette série est terminée. En tout cas, très belle fin. Très très belle fin avec donc Cassie, la fille de Nathan et d'Elena. Je pense que ça peut potentiellement présager du Uncharted, mais plus avec Nathan Drake, mais peut-être avec la fille, hein, qui sait, ou des épisodes avec Sam, parce que Sam n'a pas l'air d'avoir arrêté. En tout cas, les amis, j'espère que ce let's play en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le like et le commentaire et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Allez, bye bye tout le monde.